Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est David K et aujourd'hui on se retrouve pour passer Léon 750 pour la première fois en 25. Mais avant ça, nouveau concours sur la chaîne, ça faisait un petit moment. Aujourd'hui je vous fais remporter un skin de Léon Loup-Garou, l'équivalent de 150 gemmes. On va aller droit au but, une carte cadeau de 15€ iTunes ou Google est à remporter. Comment participer? Eh bien c'est très simple, bien sûr il faut être abonné et avoir activé la cloche de notification, c'est un concours abonné. Tu likes et tu commentes en me disant voilà pourquoi tu l'aimes ce skin de Léon Loup-Garou et ton skin de la mise à jour Halloween préféré. Pas de je participe, sinon ça passe dans l'onglet spam. Voilà pour le concours. Et bien sûr, on n'oublie pas de rentrer le code créateur DavidK, de valider dans la boutique pour tout achat de pigeonnerie dans la boutique. Merci à tous, que vous soyez free-to-play ou non. Maintenant, on se dirige sur le gameplay. On est avec Léon Loup-Garou, j'ai le pouvoir de la vitesse. Exiwix, il a le pouvoir de la vision avec Beau. 724, pourquoi je rachète 750 trophées? C'est très simple, à 750 trophées, je vais toucher 400 points star et je vise les 50 000 points star pour la fin de saison. Pas celle-ci, mais l'autre, pour acheter le Corbac Mécador. Alors, mauvais spawn, je vais passer derrière, voilà, en espérant qu'il y ait une box et elle est là. Ok, je prends ça, j'ai le nez qui me gratte, c'est horrible. Mauvais spawn, hein. Une seule énergie, c'est nul. Des fois, on a des spawns, on en prend 4. Ok, on a esquivé le shot. Oh. Avec Exy, on s'est compris, hein. On était tous les deux là sur. J'essaie d'empêcher le djinn de régène en fait, littéralement. Ok, je sais pas où il est parti, Exy. Oh, trop d'auto-aim, David. Ok, trop d'auto-aim, j'arrête l'auto-aim tout de suite là. Le djinn, il est touché. Alors, certains diront, ouais, tes touches, elles font pas de dégâts. En vrai, là, les dégâts des touches, c'est même pas la priorité. C'est de charger mon spé, ma priorité là. Attention, Exy, il y a quelqu'un là. Très, très bien joué le brain du. Ça va pas le faire, ça. On va se faire. Oh là là. Ok, gros start, on arrive à se mettre à 6 énergies alors qu'en vrai, on était quand même bien mis sous pression. Là, il n'y a personne, ça roule. Exy va nous faire la vision, qui va être énorme. Voilà, la vision là qui nous met très 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 bien. Bouge pas, mon Exy, bouge pas. Ok, on est en top 3, quoi qu'il arrive, on perdra pas de trophée maintenant, mais autant vous dire que c'est un meilleur résultat qui nous intéresse. 112. Exy mon frérot, il nous faut Le djinn est pour moi. Le kill. Oh et c'est le top 1. C'est le top 1. Ouah, quel game. La pression était vraiment énorme. On était mis sous pression en permanence au début là. On a vu le Léon qui nous backait, qui était en backup sur nous. Ça part sur un plus 9. 735 potentiellement, 2 top 1 égale 18, 1 top 7 plus 1 top 1 égale 16, donc voilà, vous l'avez compris, il nous faut soit un double top 1, soit un top 1, un top 2, pour se mettre très très bien dans cette vidéo, et avoir enfin le Léon à 750 pour la première fois. J'avoue que c'est pas l'un des brawlers que j'ai rushé le plus, hein. On regarde le spawn, ok, le spawn est dégoûtant encore une fois, malheureusement on va pas prendre un bon spawn, je vais passer derrière, au cas où, pour voir s'il y a une petite box. Non, pas de petite box, je rejoins Exywix direct en passant juste au-dessus. Et oui, c'est la magie du spawn hein, en survivant, on le sait. Certains le disent, c'est le mode le moins compétitif parce que, effectivement, il y a trop de place pour le hasard. Alors là, c'est cool parce que, en vrai, ça me permet de charger pas mal mon spé, tu vois. Ok, Exywix a pris le kill. Ok, j'ai pas pris le... Ah, il avait le pouvoir régène, le bâtard. Ok, Exy qui est mort. Ok, Exy qui est mort. Ok, il a pris les mines, il est mort l'autre. Je vais attendre le régène de mon collègue. Je vous rappelle que le but, c'est minimum de gérer un top 3 pour prendre 0 trophée, enfin du moins pas prendre de négatif.
c'est le plus important. Alors ici, on doit avoir notre fameuse voilà, collègue ici parce qu'elle attendait le régène de Arcade. Attention, Arcade, c'est un distributeur de dégâts automatiques, les gars. Ça fait très très mal, Arcade. Moi, je voudrais juste charger mon spé, tu vois. Alors, j'ai mon spé, enfin. Belle pression de la part d'Exy, là. Ok, ça tombe. Ok, je vais récupérer l'énergie. Je me suis fait grabber comme un chien, j'ai envie de dire. Et là, c'est le moins 7, ça ne va pas du tout. Je l'ai pas vu venir. 728, la difficulté dans cette vidéo, on enchaîne tout de suite. On n'a pas le temps d'attendre. Temps de réponse, 0. On relance. Là, voilà, le mauvais spawn, donc, franchement, on le paye cher. Là, spawn, on va dire correct, 2 box, rapide. Mais le spawn, c'est primordial. Et si on prend des mauvais spawns, c'est très très dur. Ok, première énergie, on pense à sécuriser les énergies dès le début. Et là, regardez, à la surprise générale, on va aller chercher des dégâts. Voilà. Hop, on a chargé un peu le spé. Allez, faut s'en aller vers les énergies rapidement. C'est les énergies qui déterminent un peu la game. Hein. Voilà, 3 énergies. On a une team en haut à 3 aussi. Je pense que le beau, il a le pouvoir de la vision aussi. La team, elle est à 0 ici, donc en fait, il y aurait moyen de la prendre, tu vois. Voilà, là, on s'est bien compris avec Exy. On a été tout autour. Voilà, parfait. On a dépop la team avec un bon travail d'équipe, ce qui nous permet de passer à 5. Et je pense d'être l'une des teams majoritaires en énergie sur la map. Voilà, on a checké tout le bush. Très très bien joué de la part d'Exywigs. Moi je voudrais bien prendre le petit spike là. Ok, on est en top 3. On est en top 3, mesdames et messieurs. Donc quoi qu'il arrive, on perd pas de trophée déjà. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Attention. Ça s'appelle un double kill, nettoyage de la map. Nettoyage de la map, gros nettoyage de map. Ok, je pense qu'on peut dire que là je nous ai mis bien. On a défoncé la team, on repasse à 737 et on enchaîne. On n'a jamais été aussi près d'un Léon à 750. Ok, la recherche des joueurs qui est très 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 rapide. Pensez à vous abonner, activer la cloche de notification. Me dire votre skin préféré de cette mise à jour Halloween. Voilà, pour remporter le petit concours du Léon. Oh non, là j'ai merdé, il a 8 PV sur la box. Ok, on est à 3 énergies, c'est pas mal, je rejoins Exywigs. Ok, il y a des mecs dans le bush, mon frérot. Deux énergies supplémentaires. Ouh, on est bien. Attention, alors attention. Allez, vas-y, on les prend, on les prend, on est bien. Oh, Exywigs qui a fait le tour de la map. On est en top 4 avec 9 énergies. Autant vous dire que là, on doit gérer un gros top 1. Et maintenant, la stratégie va rentrer en place. Je vais rester avec Exywigs. Il a la vision, je le rappelle. Attention à la pipe. Oh, et la Shelly, là. Oh, la Shelly qui est restée à... Attention! Oh! Oh, c'est plus qu'un brain! C'est au-dessus du brain, ce que je viens de faire. J'ai réussi à ne pas mourir. Enfin, là, aller le chercher, hein. La survivance, comme on dit. Ouais, je pense que... Allez, on rentre dans le tas. Allez, allez, c'est terminé. Game is over. On passe à 13, on y va maintenant, il n'y a plus le temps là. On va aller chercher la pipe. On met la pression. On les enferme en fait. On les enferme. Ok, le kill il est fait. Et cette fois-ci, c'est la fin. Et boum! C'est le top 1, mesdames et messieurs, avec 15 énergies. Avec
Un Léon a pas moins de 746 trophées, c'est un record sur le Léon. Je vous rappelle qu'on joue à plus de 20 400 trophées actuellement. Et écoutez, c'est parti, c'est une game décisive pour mon histoire de Brawl Stars, simplement parce que c'est la première fois que je le passe à 750. J'ai placé plein de brawlers en live à 750 là dernièrement. On essaye de monter un petit peu tout le monde. Alors, le spawn. Ok, allez, on va pas se plaindre du spawn, il est dégueu, mais c'est pas grave. Ah non, il est pas nul. Autant pour moi, j'ai dit un peu de bêtises. C'est dommage en fait qu'on ait pas une quatrième box juste là, là. Parce que souvent, il y a une box ici, et là, elle y est pas. Ok, si on peut distribuer quelques dégâts sur le Daryl, non. Ok, donc je vais suivre Exiwix, on va rester en équipe. Pensez à jouer... Ah, attention, ça c'est une team qui peut faire mal. Ok, on a le mid. Attention, oh attention. Je préfère pas insister parce que si le Daryl sait pas que je suis au mid, il pourrait utiliser son spé pour aller fight le beau et se dire je vais le tuer et être surpris par ma présence. Donc attention, c'est maintenant que ça se joue. On est en top 3 quoi qu'il arrive, je perdrai pas de trophée. Oh, on s'est fait rincer là, on s'est fait rincer, top. Ce qu'on vient de faire, c'est énorme. Ce qu'on vient de faire de rester en vie, c'est énorme. Okay. Je vise le Daryl, hein, tu l'as compris. On est en top 2. On est en top 2. On l'a fait. On l'a fait, c'est le top 2, ça suffit. En fallait le faire, en fallait jouer avec la tête là. Et c'est le rang 25 qui tombe pour Léon et les 400 points star, mesdames et messieurs. Enfin, ça c'est validé. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, les points star, donc il va m'en manquer 14 000 à peu près, hein, approximativement. Il va m'en manquer 15 600. Gros GG à Exiwix qui passe les 22 400. Regardez le profil actuel de Exiwix qui est à son meilleur stade de trophée. C'est un record confondu. Donc, très belle performance de la part d'Exiwix, gros GG à lui. En plus de ça, avec une Piper et un Spike à 1000 TR, donc très grosse performance, sans oublier le tick. De mon côté, j'ai joué un petit peu plus soft cette saison pour passer beaucoup de brawlers à 750, comme vous pouvez le voir, voilà. J'en ai qui sont pas mal à 750 et quelques-uns qui sont vraiment pas loin. Donc la saison est pas finie, donc on aura le temps, quoi qu'il en soit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a régalé. Si c'est le cas, vous me le dites en commentaire. On est présent sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas le fameux code créateur David K. Salut, salut. Petite game bonus, les amis, on tente avec vous le 800 trophées, on est à 792. On a continué le rush de notre côté avec Exiwix en stream, en plus Brawl Stars, voilà, sur la chaîne. On stream tous les jours, c'est maintenant, il nous faut absolument un top 1 et rien d'autre. Le top 2, ça passera pas. Donc, faut absolument gérer un top 1 pour le passer à 800 trophées. C'est parti. Let's go, les frérots. On donne tout. Et là, on a un bon spawn en plus. Alors, ça, c'est vraiment fun. Ah, je suis content là de débuter avec un bon spawn. Bon spawn, c'est 3 énergies, comme vous pouvez le voir là, qui sont cadeaux. Voilà. Exiwix qui me carry ma 3ème énergie. Ok. 4 énergies. Ok, on doit absolument faire le top 1 là. Après un start pareil, je vois pas comment on peut louper un top 1. Faut tout donner. Tout donner pour le top 1. Ok. Avec le skin qui est magnifique là. J'ai mon spé en plus pour aller chercher potentiellement soit un brawler, voire une team. Mais là, la moindre énergie est importante, hein. On va s'aventurer un petit peu sur la map, c'est vrai qu'on a une position qui est quand même confortable. Exi qui va quand même nous faire don de la vision. Ok, beaucoup de pré-shot, c'est peut-être sur le haut de la map. On va aller voir ça. Ok, je suis le copain, moi. Ok, là, on... il a la vision, Exiwix, hein, je rappelle. Incroyable, ils sont où? Mais où sont-ils? On est en top 3. Mais où sont-ils? Mais où sont-ils? Ok, il y a des kills, ok. Oh, Noma, oh, une Shelly à 11.
Ça va être très 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 compliqué. Oh, il y a moyen qu'il gère ici. Je voudrais bien ne pas utiliser mon spé, je vais pas te mentir. Oh! Alors attention, là faut claquer un régène du futur pour aller chercher un top 1. Alors l'Anita elle nous intéresse mais pas plus que ça en vrai. En fait c'est les énergies qui nous intéressent. On a une team à 12, en vrai on peut pas perdre. Oh, c'est géré! C'est géré logiquement! C'est géré! Oh oui, à 20! ExiWix à 20 pour la game bonus, mesdames et messieurs! Incroyable! Et c'est le top 1 qui tombe avec une game incroyable. Et le rang de Léon qui tombe à plus 9. Ça nous donne un 800 trophées sur le Léon. Voilà, on se met bien. On est presque à la barre des 20 500. Et bien voilà comment conclure une vidéo parfaitement. Un gros GG à ExiWix encore. Ça carry de ouf et lui il passe son bord en 25. Parfait, et bien voilà, c'est le moment ou jamais de vous régaler dans l'espace des commentaires. Passez une excellente journée, salut salut.